C'est cet expert spécialisé de campagne de vaccination massive qui était en mission chez nous pour mettre en place une future campagne de rattrapage essentiellement destinée aux enfants âgés entre 0 et 6 ans. C'est tout le territoire qui est concerné. Cette campagne est programmée pour la fin de l'année, voire en début d'année prochaine. Nombreux sont ceux qui ont des difficultés d'accès à la vaccination, justement. Philippe Magne, le chef de mission Santé publique française, nous détaille les complexités d'une telle opération. Il est au micro de Marie Berthomé et Pierre Tréfou. Il y a une grande difficulté, c'est de connaître la démographie précise de la population en Guyane et notamment dans les zones d'habitat spontané, entre autres. Donc ça, c'est une difficulté. Et puis, quand on a descendu le fleuve, on a pu analyser plusieurs dizaines de carnets de santé qui montraient qu'il y avait quelques déficits sur essentiellement la prévention de la tuberculose, de la méningite et des infections à pneumocoque. Et pour les autres valences vaccinales, la couverture était relativement correcte. Mais on n'a pas toutes les données pour l'instant encore. C'est encore un gros travail d'analyse et d'études. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.